Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloraé, principalement Instagram et Ravelry. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site maloraedesigns.com où je vous propose des patrons et accessoires tricot. J'espère que vous allez bien, on arrive à présent à la fin du mois de juillet. Il était temps pour moi de faire le bilan de ce que j'ai pu tricoter et coudre ce mois-ci. C'est l'épisode 49, on approche des 50 le mois prochain. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Je vous en avais déjà parlé dans le podcast précédent, je vous en ai parlé aussi dans le vlog que j'ai publié récemment. J'ai un peu enchaîné les migraines et du coup, trouver le traitement adéquat a été un peu long. Là, ça va mieux. Je touche du bois pour que ça continue. Ça va mieux. Mais voilà, ça a été un peu compliqué, le mois de juillet a été un peu compliqué. J'ai pas pu participer comme c'était prévu au fil de la manche, parce que après avoir installé mon stand le vendredi, le samedi matin, j'étais juste pas en état de tenir le stand pour la journée. Et comme j'étais avec ma fille, je pouvais pas laisser ma fille toute seule sur le stand, c'était pas possible. Enfin, elle a 14 ans, elle peut pas gérer un stand, c'était pas possible quoi. Donc du coup j'ai dû remballer et repartir et j'étais bien déçue de ne pas pouvoir participer comme c'était prévu. Bien déçue de ne pas pouvoir vous rencontrer et papoter un peu avec vous. Donc bon, ce n'est que partie remise. Je pense que pour cette année les salons je vais laisser tomber. On verra pour l'an prochain. Le temps de me requinquer un peu et puis voilà, hein, prendre un peu de temps parce que là j'avoue que. C'est un peu compliqué puis de s'inscrire à un salon, de faire la route et au final de devoir rentrer sans avoir pu exposer, c'est nul quoi. Donc voilà. Bah écoutez, je vous ai tout dit, le blabla de présentation, non je ne vous ai pas dit, que vous pouvez retrouver sous la vidéo tous les liens pour me retrouver partout. Et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo, donc vous aurez tous les liens dans l'article. De ce dont je vais vous parler, les laines que je vais vous présenter, les patrons, tout ça. Je mets tout dans l'article, c'est plus simple pour moi de agir. Voilà. Alors, on va commencer par ce que je porte. J'ai mis mon t-shirt Calisier. Alors, je l'ai rebloqué, du coup, il n'est pas. Je l'ai mis sur un cintre à un moment pour finir de le faire sécher, parce que j'avais plein de modèles à faire sécher. Parce que quand je suis rentrée, en fait, après Laine en Or, j'avais pas ouvert ma valise avec les prototypes, je les avais laissés tous dedans, et puis je m'étais dit, ça sert à rien que je les lave pour les relaver après le fil de la manche. Bon, sauf que le fil de la manche étant ce qu'il est, je n'ai pas pu participer, donc je suis rentrée, et il a fallu que je lave tous mes modèles. Et du coup, celui-ci, comme j'avais beaucoup à laver d'un coup, pour finir de le faire sécher, je l'ai mis sur un cintre, mais il faut qu'il se reprenne sa forme, parce que là, du coup, il était bien, bien étiré. Donc, c'est le t-shirt Calisia, c'est un t-shirt que j'ai tricoté avec de la laine de chez Knitting for Life, c'était de la pure silk, je crois. C'est un modèle avec une dentelle qui a une construction un peu particulière, parce qu'on va venir monter les mailles à ce niveau-là, sous le motif, et on va venir tricoter le yoke en diminuant, du coup, faire le bombe de colle. Et après, vous allez venir reprendre vos mailles de montage provisoire, et vous allez venir tricoter le corps en jersey. Voilà, et puis vous allez reprendre les mailles des manches et tricoter les manches en jersey aussi. Donc la construction est un peu particulière, au final c'est pas si compliqué. Et comme on diminue la dentelle, ça va quand même assez vite. Et dans l'autre sens, on tricote qu'en jersey. Donc ça va. Le motif de dentelle est plutôt simple. En fait, vous avez une répétition. Donc, un motif, c'est ça, plus la petite. Pas évident de vous montrer, voilà, c'est ça le motif. Donc c'est plutôt simple. On le répète X fois suivant la taille que l'on tricote. Voilà. Donc si jamais ça vous tente, le patron est sur Ravelry et sur mon site. Je vous mets les liens en dessous. Enfin, dans l'article. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, je vais reprendre mes notes parce que sinon je vais plus savoir. Tricot. On commence par la sortie patron du mois de juillet. Alors du coup, il est sorti le 30 juin.
parce qu'en fait, il sortait pour le fil de la manche. Et puis, bon, bah voilà, hein, je ne vais pas vous refaire le speech. Donc, c'est le débardeur Scopolia. Donc, à la base, moi, j'avais tricoté cette version, qui est une version en biobalance de Bességarn. Je vous remettrai le petit i, la vidéo dédiée du patron que j'avais faite pour la sortie. Donc c'est un débardeur qui se tricote du bas vers le haut. On commence par des côtes torses et après on va venir insérer le motif qui est composé. Je vais pas bien plier mon top, du coup c'est pas symétrique. Qui est composé de points mousse sur les côtés. Et au centre, on a un petit motif de feuille, un motif de point mousse avec des jours, de nouveau les feuilles, de nouveau le motif de point mousse, les feuilles. Et en fait, sur les côtés, vous avez du point mousse pour délimiter les motifs parce que bah, c'était pas facile, c'était un grand panneau, donc pas facile de caser pour toutes les tailles. Et je voulais absolument que toutes les tailles aient ce panneau. Comme ça, en fait, un panneau de feuilles de chaque côté, un panneau central et séparé par le motif à jour. Donc, voilà, j'ai joué sur le nombre de mailles en point mousse sur les côtés. Alors, vous allez me dire, le point mousse en rond, c'est pénible parce qu'il faut faire un rond à l'endroit, un rond à l'envers. Oui, mais pour ça, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, on a un rang. Le rang, on va dire le rang qui serait le rang en droit, le premier rang, qui est travaillé dans le sens où on va faire nos mailles envers du point mousse, tricoter les motifs. Et le deuxième rang, qui serait le rang envers si on est en aller-retour, il se tricote tout à l'endroit. Donc comme ça, vous avez un rang sur deux totalement de repos. En fait, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le motif est assez simple puisque c'est un motif de feuille, donc vous voyez que les jetés se suivent rang après rang. Donc vous voyez bien que s'il y a un décalage, vous allez le voir tout de suite. C'est assez simple, c'est juste des jetés et une diminution centrale. Voilà, le motif ajouré, c'est du point mousse avec des mailles ensemble et des jetés. Donc vous allez tricoter en rond jusque sous l'emmanchure et à partir de là, vous allez séparer le corps. Donc le devant et le dos se tricotent exactement de la même façon. Vous allez venir rabattre des mailles sous l'emmanchure et vous allez tricoter après en aller-retour. Donc en aller-retour, on va commencer par le devant, de toute façon le dos se tricote de la même façon comme je vous le disais. Vous allez tricoter en aller-retour en faisant des diminutions au niveau de l'emmanchure. Puis vous allez séparer pour le décolleté et là vous allez finir juste vos triangles et mettre vos mailles en attente. Pour les finitions des côtés, en fait, on ne fait pas une finition après, c'est juste vous glissez de mailles, une petite technique à faire pour faire la finition directement. Au niveau du devant, il n'y a pas de finition, c'est juste les mailles rabattues. Et après, là, de nouveau, vous allez faire la petite technique pour faire la finition propre. Au niveau des bretelles, donc là, vous voyez, j'ai deux. Type de bretelles différentes, vous avez deux options dans le patron. Soit vous faites les bretelles cousues, comme ça, soit vous faites des bretelles à nouer, comme ça. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous faites les bretelles cousues, et dans ces cas-là, vous allez, en fait, quand vous allez terminer votre devant, vous allez directement tricoter en jersey double la longueur. Et venir grafter sur l'arrière. Soit vous faites les bretelles à nouer, et dans ces cas-là, vous allez sur le devant et sur le dos tricoter une bande en jersey double, puis rabattre les mailles et faire la même chose sur l'autre côté. Voilà. Je vous recommande fortement de tester la longueur. Alors, moi, je vous donne une mesure. Qui est une mesure standard, forcément ça ne correspond pas forcément à tout le monde et ça dépend aussi du fil que vous utilisez. Je vous recommande dans le patron de d'abord bloquer votre ouvrage en fait avant de faire le grafting. Vous mettez vos mailles en attente sur un fil, vous bloquez votre ouvrage et vous essayez après le blocage voir si ça va parce qu'il est possible que vous deviez enlever quelques rangs ou en ajouter suivant l'élasticité de votre fil. Donc moi j'ai tricoté cette première version en biobalance de Bességarn, comme je vous le disais. La biobalance c'est ça là et le coloris c'est 0,9.
Donc c'est un mélange, je sais pas si vous avez vu, j'ai l'impression que ça avait fait le point. La biobalance, c'est un mélange de 55% de laine et 45% de coton. Je l'ai déjà tricoté plusieurs fois et je l'aime beaucoup. Elle est plutôt pas mal pour la dentelle et pour les torsades aussi. Elle a une bonne tenue, la définition de points est plutôt pas mal. Donc ce modèle-là, je l'avais tricoté bien avant laine en or. Et en fait, sur le salon laine en or, j'étais juste à côté de moi, il y avait Sonia, qui est teinturière et qui a la marque Le Fil de Sidonie, qui m'a demandé si j'avais prévu de faire un modèle pour l'été, parce qu'elle avait un fil, une nouvelle base qu'elle voulait mettre en avant. Donc c'est la base Mambou, qui est composé de mérinos et de bambou, donc 80% mérinos, 20% bambou. Donc on est parti, je lui ai montré le top, elle a beaucoup aimé, et du coup elle m'a offert deux écheveaux pour tricoter le top, et qui devait sortir du coup pour le fil de la manche. Sur son stand, elle proposait les kits de laine, donc du coup bah, elle a récupéré les patrons pour qu'elle puisse quand même vendre ses kits. Donc voilà, donc là j'ai pris le coloris Melinda, il est un peu plus foncé que ce que vous voyez là. C'est un fil qui est très lumineux, qui est un petit peu poilu comme vous pouvez le voir. Très agréable à tricoter, très agréable à porter aussi, je l'ai porté quand il faisait chaud, quand on est parti en vacances il faisait très chaud. Donc très agréable, et voilà ce que ça donne la version bleue. Donc là pour ce coup là j'ai fait les deux bretelles à coudre. Vous pouvez tout faire comme j'ai fait, hein, modifier, faire une bretelle de chaque, ou voilà, c'est facilement modulable. Voilà ce que ça donne. Ah, il y a un petit rayon de soleil, du coup on voit bien le point. Il est plus foncé que ça en vrai, hein. Là vous voyez plus blanc, mais le bleu, c'est pas évident à... Ouais, c'est plus comme ça la couleur. Hein. Donc voilà, exactement la même chose, j'ai fait exactement la même taille, mais là pour le coup le fil est beaucoup plus mou, et j'ai fait les bretelles plus courtes que ce que j'avais fait sur ma version rose, parce que bah, le fil se détend, est beaucoup plus élastique. Là vous voyez l'élasticité, si je voulais mettre les deux côte à côte, le bleu va s'étirer plus que, bon, je ne sais pas si ça se voit vraiment, le bleu est beaucoup plus élastique que le rose. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Moi, je le sens quand je le fais. Voilà. Donc, si jamais bah, ça vous tente, ce petit modèle, il est sur mon site et sur Ravelry. Je ne sais pas si Sonia a remis ses kits sur son site. J'ai pas été vérifiée. Je vous remettrai de toute façon le lien vers son site. Si jamais ça vous tente, peut-être que si vous lui envoyez un petit message. Si jamais c'est pas sur son site, en vous lui envoyant un petit message, peut-être que vous pourrez avoir la laine. Moi j'ai utilisé, bah, j'avais deux échos et j'ai pas utilisé le deuxième en entier. Et j'ai fait la taille 95. Donc voilà, après je suis grande, si vous raccourcissez le corps par rapport à ce que moi je fais, ça peut tenir dans un écheveau et demi. Voilà. Donc pour le top Scopolia, je vais mettre tout ça là-bas. J'en ai partout. C'est une catastrophe. Au niveau des projets finis maintenant, j'ai terminé plusieurs projets, mais je ne peux pas vous en parler ici. Si vous voulez savoir ce que j'ai terminé récemment, ce que je tricote actuellement, ça se passe dans les coulisses. C'est l'équivalent de Patreon, mais directement sur mon site. Vous vous abonnez au niveau de votre choix. Et ensuite, vous avez accès à du contenu exclusif. Suivant le niveau choisi, il y a des photos, les articles de présentation des modèles qui sortent en avant-première. Vous avez un code pour télécharger un patron au choix dans la boutique. Et vous avez, pour le niveau le plus élevé, une ou deux vidéos par mois. En général, deux. Là, pendant les vacances, je vais en faire qu'une par mois. Parce que j'ai décidé de un peu moins travailler pour préserver ma tête et pouvoir être en forme à la rentrée. Donc voilà. Donc je vous montre aussi ce que j'ai, ce que je tricote dans les coulisses. Donc j'ai terminé un col. J'ai terminé le col de ma fille Chloé. Et là je me rends compte que je n'ai pas sorti les laines que j'ai utilisées. Est-ce que je les ai pas... Je les ai laissées dans le sac. Attendez, j'arrive. Voilà, donc je vais vous les montrer après. Je vous parle du patron et après... Enfin du patron, du modèle, et après je vous
Montre les filles. Donc, j'avais déjà tricoté ce col l'an dernier, à la même période, et ma fille l'a perdu au collège juste avant la fin des vacances. Enfin, juste avant la fin, quelques semaines avant. J'en ai retricoté un. Seulement, je n'avais plus assez de fil gris. Les écureuils sur la version initiale étaient noirs, mais je n'avais plus assez de noir. Donc, on a opté pour... Donc, le vert, c'est toujours le même. C'était un écheveau de chez Célène. Et vous voyez qu'il m'en reste encore après avoir fait deux cols. L'écheveau, est-ce que c'est ça? Oui, c'est un écheveau qui vient de chez Célène, qu'elle avait choisi sur son stand quand on avait fait... c'était en février dernier, l'année d'avant, 2022. On avait participé à Malakoff, à la fête de la laine, et elle avait choisi cet écheveau, donc c'est un coloris Oups, le pan Oups, 100% Merino Superwash, donc c'est un coloris non reproductible, il en restait qu'un, donc elle avait pris ça. À la base, j'avais tricoté avec un écheveau gris de chez Eve, EV3, qu'elle m'avait offert, parce qu'elle était juste à côté de moi sur le stand, toujours à la fête de la laine. Bon, j'en avais pas assez. Donc, j'ai repris chez Célène un écheveau de gris. C'est le coloris Sourisseau. Là, je l'ai pris à laine en or. C'est le même coloris que j'avais utilisé pour mon gilet Orlaïa. Et j'avais plus assez de laine non plus de cette. Donc c'est un écheveau gris simple. Et pour le rouille, c'est un écheveau en reste. J'avais détricoté en fait un pull que j'avais tricoté avec cette laine. Donc c'est des petites boulettes. J'ai pas utilisé grand chose. Donc au niveau du modèle, c'est un col double. Il est totalement réversible. Il n'y a aucune couture visible. Donc je commence, en fait on commence à ce niveau, au niveau des côtes, au début des côtes, on fait un montage provisoire, puis on va tricoter une bande de côtes, équivalent à je sais plus combien j'ai fait de ronds, une vingtaine de ronds je crois. Et ensuite on va venir placer le premier motif qui est un motif donc d'écureuil, que je n'avais pas aimé tricoter la première fois et que je n'ai toujours pas aimé tricoter la deuxième fois parce qu'il se retient pas du tout en fait. Il est tellement aléatoire, chaque rang est totalement différent du précédent et le motif est totalement... Enfin, vous voyez, il n'y a pas une petite musique qu'on peut se chanter, enfin se répéter dans la tête, c'est pas... Non. Non, donc j'ai toujours pas aimé le tricoter. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Une fois qu'on a fini le motif... On repasse sur la même bande de côte en fait que le début. Et on passe ensuite au deuxième motif de jacquard, qui pour le coup est beaucoup plus simple, puisque c'est de deux. Deux mailles vertes, deux mailles grises, deux mailles vertes, deux mailles grises. Alors vous voyez que les chevrons sont pas. Donc c'est un motif de chevron assez classique. Hein, seulement le rendu n'est pas le même. On voit des sections. Donc j'ai juste pour faire ressortir plus ou moins une couleur, jouer avec la dominance des couleurs. C'est-à-dire que la première partie, là, j'ai tenu mon fil gris, qui est la couleur principale, à droite, et le fil contrastant à gauche, donc le vert. Et quand je suis repartie à la fin de mon chevron dans l'autre sens, j'ai inversé mes couleurs. J'ai pris le fil vert à droite et le fil gris à gauche. Et vous voyez que du coup, ça change complètement le motif, puisque là, on avait plus de vert qui ressortait, et là, on a plus de gris qui ressort. Et une fois que je suis arrivée au bout de mon chevron, j'ai de nouveau inversé mes pelotes, et de nouveau, et de nouveau. Voilà. Donc j'ai joué avec mes pelotes, enfin le sens le sens des pelotes, quoi, pour faire ressortir le motif plus ou moins. Voilà. Et une fois qu'on a fini, en fait, pour terminer, j'ai fait un grafting. Alors je ne saurais vous dire... Attendez, oui, c'est par rapport au sens des écureuils, vous me direz. Donc en fait, mon grafting, il est là. Ouais, je trouve que ça se voit pas tant que ça. Hein. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, pas de difficulté particulière, hormis ce motif de jacquard d'écureuil que je n'ai pas aimé tricoter. sinon, c'est plutôt simple hein, à tricoter. Donc ça, j'ai fini juste avant de partir en vacances, parce qu'il me restait presque rien, je voulais pas l'emmener
cours si peu. Et puis au final, j'ai quand même assez peu tricoté parce que j'avais mal à la tête. Et quand j'ai mal à la tête, je ne tricote pas. Voilà. Donc ça, c'est pour le col. Il va y en avoir un deuxième qui est en cours, pas en cours en fait. Parce que ma fille, ma dernière, m'a demandé un col aussi. Avec cet écheveau. Alors, elle l'a bobiné. J'ai toujours pas commencé. Elle l'a bobiné, mais je n'ai toujours pas commencé. Comment ? C'est un écheveau de chez Célène, encore, hein, vous allez me dire. Encore elle, oui. Vous en voyez beaucoup chez moi, de la Célène, parce que j'aime beaucoup son travail. Donc, c'est un écheveau qui n'a pas de nom, en mérino nylon, que j'ai acheté à laine en or. J'avais pris mérino nylon parce que je ne savais pas trop si j'allais lui faire des chaussettes ou pas. Au final, non, on va faire un col. Elle a choisi ses motifs qui sont totalement différents. Et pour aller avec, on a été acheter. Donc, j'habite près d'Honfleur et il y a une petite mercerie à Honfleur. Donc, on a été choisir de la laine. Elle voulait un coloris foncé pour bien faire ressortir le motif. Donc, on a pris du noir, de la Merino 120 de chez Lang. Donc, c'est un fil qui est un peu plus épais quand même, parce qu'il y a 120 mètres aux 50 grammes. Donc, ça fait 240 mètres aux 100 grammes. Là, c'est du 400 mètres. Mais au final, bon, quand on voit les fils côte à côte, il n'y a pas énormément de différence. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un fil qui est beaucoup plus retordu, qui risque d'être plus élastique aussi. Donc, bon. Au niveau des motifs, je peux vous montrer, parce que les livres n'ont pas bougé depuis qu'elle a choisi ses motifs. Alors, elle veut... Elle veut ce genre de motif sur une face. Et de l'autre face, il faut que j'enlève les livres. Celui-ci, il est énorme. Elle veut ce motif de fleurs, donc les grosses fleurs. Bien entendu, moi je ne change pas de couleur, j'aurai qu'une seule couleur. Elle veut les grosses. Ça va me changer des écureuils. Même si visiblement le motif n'a pas l'air beaucoup plus simple parce que de nouveau on n'a pas des chiffres très réguliers. Mais bon. Ça changera des écureuils. Je vais reposer ça parce que c'est très lourd. Donc voilà. Donc ça c'est ce que je vais monter un jour. Avant la fin des vacances. J'aimerais bien. Pour qu'elle l'ait pour l'automne quand même. Voilà. Et j'aimerais bien peut-être me faire un col aussi pour moi avec des motifs différents. Je réfléchis encore aux laines que je vais utiliser parce que j'ai quelques écheveaux solitaires. Je me dis que ça pourrait être pas mal. À voir. Donc ça, c'est le projet en cours à venir. Le projet en cours dont je peux vous parler, c'est ma couverture qui, depuis le vlog, n'a pas avancé. Je ne l'ai pas repris, j'ai dû faire un ou deux rangs. Enfin, je change mon progress keeper de place. Voilà, j'ai peut-être fait un rang, je ne sais plus. Donc, toujours d'après le patron gratuit de Pearl Soho, c'est la troisième que je tricote, donc vous commencez à savoir un petit peu comment ça se passe. J'avais sélectionné tout un tas de restes de fil pour vraiment liquider les pelotes solitaires et tout. L'objectif, ça va être de la faire un peu plus grande que ce qu'elle n'est normalement, puisqu'elle est prévue pour un lit d'une personne. Et j'aimerais l'agrandir au maximum de ce que je peux et de ce que j'ai envie d'avoir de mailles, comme nombre de mailles, pour qu'elle couvre au mieux le lit de personne, puisque maintenant les filles ont toutes les trois des lits de personne. Voilà. Donc, c'est un patron gratuit qui est sur le site de Pearl Soho. En fait, elle est référencée sur Ravelry. Je vous mettrai le lien vers la fiche. En fait, le patron est sur le site de Pearl Soho. On commence par une pointe. On va venir monter quelques mailles. Je crois qu'on en monte 5. On a 2 mailles de chaque côté en bordure et une maille centrale. Les bordures se tricotent en jersey et la partie centrale se tricote en point mousse. Normalement on tricote toutes les mailles, enfin les mailles de bordure, on a 2 mailles, on tricote les 2 mailles. Pour ma part, quand je suis sur un début de rang, je glisse la première maille qui fait une bordure plus élastique et beaucoup plus jolie aussi je trouve. Voilà. Et par contre à la fin du rang je tricote mes 2 mailles et sur le rang quand je repars, de nouveau je glisse la première maille pour avoir
ça fait un genre d'i-cord, mais pas tout à fait un i-cord, et c'est beaucoup plus joli et plus élastique aussi. Voilà. Je ne respecte absolument pas les indications de couleur du patron, parce que eux c'est prévu pour faire avec un kit de 4 ou 5 échevaux, je crois. Moi j'utilise mes restes, donc j'ai fait mon dégradé de couleur, puisque je veux que ça fasse un genre de dégradé, et je prends mes pelotes, voilà. Si je suis au milieu d'un rang, je change au milieu du rang, c'est pas grave. Si je suis là par exemple, je suis sur l'endroit de la couverture, bah, j'aurais dû changer de fil normalement de l'autre côté, parce que là j'ai changé sur mon rang en vert, mais c'est pas grave. Et en fait, ça fait la même chose sur l'autre couleur. Voilà, je rentre mes fils au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand il me reste quelques centimètres de mon fil, je commence à intégrer la nouvelle couleur et je tricote avec les trois fils en même temps. Enfin, trois ou deux, ça dépend, parce que là, je tricote en double, donc j'ai deux fils. Comme ça j'ai pas à rentrer les fils, il reste des petits bouts qui dépassent comme ça là. Mais ça après je les coupe, une fois que j'ai terminé je les couperai et ça se verra plus, voilà, parce que j'ai pas envie de me taper 50 millions de fils à rentrer à la fin. Au niveau des laines, là j'ai utilisé de la limade Drops. La première partie en moutarde, c'est de la Baby Merino de Drops toujours, et là je suis avec une pelote de Gilliatt de Dererum Natura que je tricote en double, je tricote en 5 mm voilà, et donc là j'ai mon petit sachet, alors je me suis fait ça parce que la dernière couverture j'avais zappé des pelotes qui étaient tombées dans le fin fond de mon sac, donc là je me suis fait des petits sachets par couleur, donc là c'est les tons voilà, orangé, rouge, moutarde, qui vont progressivement aller vers le beige et vers le blanc. Donc je me suis fait un petit sachet, donc la prochaine normalement c'est celle-ci. J'ai fait une photo de mon dégradé, j'ai mis toutes mes pelotes par terre et j'ai fait une photo du dégradé par étape pour bien repérer. Donc normalement je crois que c'est celle-ci que je vais tricoter ensuite et après j'ai du blanc. Voilà. Et ça va aller jusqu'au violet en fait, je vais aller comme ça jusqu'au violet. Je suis pas pressée de la terminer, hein. Je l'ai pas avancée pendant un bon moment là. Déjà que mes graines, comme j'ai assez peu tricoté, j'ai pas beaucoup avancé. Et puis bon là ça tranche quand même beaucoup, mais bon, il me restait quelques pelotes, je voulais les finir. C'est vraiment l'objectif, c'est de terminer les pelotes et de faire de la place. Parce que mine de rien de les avoir sorties de mon placard, bah, j'ai pu réagencer mon placard de stash. Que vous n'allez pas bien voir parce qu'il y a un contre-jour. Vous allez voir le bazar, là c'est les pelotes que j'ai terminées, des projets qui ne sont pas encore sortis, enfin des modèles qui ne sont pas encore sortis. Là on a tout ce qui est mohair, reste de pelotes. Là les fils à chaussettes et le coton. Alors le coton en ce moment il descend bien parce que mes filles n'arrêtent pas avec les amigurumi. Donc j'avais un gros sac de rembourrage, il est presque vide. Et j'avais pas mal de pelotes de coton et elles ont tapé dedans, donc ça diminue aussi. Là on a tout ce qui est laine plus DK et tout en haut c'est. Je sais pas si vous allez voir. Là, tout en haut, c'est tout ce qui est acrylique qui me reste. Et de l'autre côté, derrière moi, c'est plus les beaux échevaux. Donc là dans les tons. Rose, est-ce que vous voyez pas? Dans les tons roses encore, les tons gris et caramel, tout ça, et tout en haut c'est le bleu. Voilà, donc j'ai libéré en fait. Normalement l'acrylique était tout en haut, j'ai un meuble là, vous voyez là. J'ai mis mes paniers maintenant, mais là-dedans c'était tout ce qui était là. Donc j'ai en fait pu libérer une étagère sur ce meuble là pour pouvoir aérer un peu mes échevaux parce que les roses, là j'en ai acheté beaucoup, tout ce qui est rouge, rose, et ça commence à prendre de la place. Vous allez voir beaucoup de roses et de rouges probablement l'an prochain, pas cette année, mais dans les modèles à partir du début d'année, il y aura plus de roses et de rouges. Ça changera du bleu et du gris. Hein. Et donc du coup, bah, j'ai fait un peu de place. Quoi. Voilà. Donc ça c'est pour les encours, donc la couverture, les autres, comme je vous le disais, c'est dans les coulisses. Au niveau des achats, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, j'ai acheté déjà la laine pour faire le col de Manon, la laine noire. J'ai pas payé très cher, parce qu'en plus il y avait une promo. J'en ai eu pour 15 euros, je crois, les trois pelotes. Il y avait une promo à la mercerie. C'était cool. J'ai reçu
J'ai pas sorti. Attends. Je vais attraper les écheveaux pour sortir le papier. J'ai reçu. Alors, c'est des écheveaux que j'avais commandés il y a assez longtemps. C'est une précommande que j'avais fait. J'attendais de vous les montrer pour pouvoir les ranger. J'avais précommandé. Alors, ça devait être au mois de mai. Ça doit être le coloris du mois de mai, du coup. Le coloris contraste. C'était le coloris principal ou c'était le. Je sais plus. J'ai commandé chez Tricot et Stitch. C'était le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, mais je suis pas sûre que ce soit le coloris principal. Il me semble que c'était un coloris qui allait avec un. Avec le. Oh, je sais plus du tout. Ça fait trop longtemps. Hein. En même temps, je l'ai reçu. Je l'ai reçu à mon retour de vacances. Donc début juillet. Depuis fin mai, j'ai oublié. Donc c'est le coloris Moonchild. J'ai pris cette fois sur la base MCN. Donc c'est Mérinos, Cachemire, Nylon. 80% de Mérinos, 10% de Cachemire, 10% de Nylon. J'en ai pris 3. Pour faire quoi? Je ne sais pas, mais c'était juste trop beau pour ne pas les prendre. Voilà. Donc c'est un gris nuancé. Avec des speckles. Si je vous mets du côté où il n'y a pas les speckles. Là... J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'en ai pris 3. Mérinos cachemire nylon, c'est pas une base que j'utilise souvent, en fait, le cachemire. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 10%. Mais c'est quand même assez doux. Voilà. J'avais envie de changer du Mérinos classique que je prends habituellement. Voilà. Et puis là, je viens de commander... J'ai commandé chez Teinture Lurée de la laine. Je vous montrerai quand je la recevrai, parce que je ne vais pas la recevoir tout de suite, je pense. Elle est en vacances. J'avais acheté ce coloris chez Teinture Lurée, Viva la Vida, je crois. Viva la Vida, en Mérino Nylon. Et en fait, je lui ai commandé 3 écheveaux de mohair dans le même coloris. Et pour faire un pull comme ça, je pourrais... Voilà, c'est pas du tout la bonne couleur, vous voyez rose, alors qu'en fait, il tire plus sur le violet quand même. Mais... Bon, vous voyez rose fluo, il tire sur le violet. Donc j'ai pris 3 écheveaux de mohair en plus. Pour faire un... Je ferai un pull avec une secte. Voilà. Donc ça, c'est les achats. Ensuite, j'ai reçu aussi le magazine Pause. Parce que j'ai créé un modèle dedans. Donc là, c'est le magazine. En fait, j'en ai reçu 2 à la base dans le contrat, c'était prévu d'en recevoir 2. Donc clairement, j'ai pas besoin de 2 magazines. Hein. Un seul, ça me suffit. Donc j'ai fait gagner le 2e sur Instagram. J'ai fait un petit concours. Merci d'ailleurs pour vos petits commentaires. Vous avez été nombreuses à participer pour essayer de gagner ce magazine. Donc j'ai vu qu'elle avait remis des exemplaires, Pauline, sur le site. Donc peut-être que si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir, vous pouvez peut-être le commander. Il en reste peut-être. Je n'ai pas été vérifiée. Je sais qu'elle en a remis, mais j'ai pas été vérifiée s'il en reste. Donc voilà. Donc c'est un magazine avec combien de patrons dedans ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 patrons. Et donc moi j'ai créé le top liseron, je sais pas si vous voyez, qui est un petit t-shirt. Alors je vais vous montrer le t-shirt sans vous montrer le patron. Avec un motif de fleurs et dans le dos on a une goutte. Une goutte qui est fermée par un icône. Voilà. Donc le motif est très très simple et en fait c'est sans le faire exprès, on a un motif avec le gilet, c'est de Marie-Christine. C'est pas le même, parce que elle ça fait plus un espèce de V et moi ça fait plus une fleur, mais un peu le même style quand même, c'est rigolo. Donc ça c'est mon modèle, donc là il est uniquement dans le magazine pour l'instant, il sortira en individuel, donc on a 6 mois d'exclusivité, donc il sortira au printemps prochain, parce que je ne vais pas le sortir en plein hiver, c'est pas vraiment un modèle d'hiver. Il y a des modèles de chaussettes, il y a donc le gilet qui est en couverture, il y a un châle qui est très joli avec des petites broderies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des interviews, il y a des modèles enfants, il y a un modèle enfant. Il y a un petit modèle de broderie aussi qui est super mignon.
Et il me semble qu'il y a un modèle de crochet aussi. Là. Un petit lapinou au crochet, trop chou. Enfin, je montre ça à mes enfants, parce que qu'en ce moment, elles sont dans leur folie amigurumi. Elles vont toutes les faire. Donc voilà, il y a plusieurs modèles de vêtements. Alors, je ne vous montre pas tout, mais il est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. La mise en page est super jolie. Il y a des petites interviews. Il y a notamment une interview de Lily de l'Écheveau solidaire. Donc c'est un super magazine. Donc je suis bien contente d'avoir participé à ce premier numéro. Voilà. Et puis d'avoir pu aussi vous permettre de le découvrir. C'est cool. Voilà. Donc bah, voilà pour ce que j'ai reçu, hein. Déjà pas mal. Au niveau des accessoires tricot, donc j'ai mis en ligne la semaine dernière bah en fait tout ce que le stock que j'avais prévu pour le fil de la manche. Donc il y a des paniers, il y a des anneaux marqueurs. Bon, les anneaux marqueurs, j'ai pas tout pris, je vous montre rapidement, je ne vais pas vous montrer tout en détail. Il y a plusieurs paniers, donc il y a des nomades, il y a des petites tailles. Alors, ce tissu cerisé, il est tellement beau, je l'aime tellement. J'ai bien envie de me le garder, mais bon, il me reste un peu, je pourrais m'en faire un. Celui-ci, je les ai aussi fait en grande taille, ceux-là. Je les aime tellement en fait. Ces tissus, je les trouve tellement beaux. Voilà, donc il y a des grandes tailles. Je vous montre un ou deux exemplaires de chaque. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des paniers en taille L, comme ça, des paniers classiques. Voilà, j'ai aussi des bols. Donc j'avais laissé quelques paniers sur le stand du fil de Sidonie. Donc elle en a vendu quelques-uns. Merci de les avoir choisis si vous avez acheté un panier sur son stand. Et puis du coup j'ai récupéré les autres. Comme ça. Alors ça c'est taille M, c'est plus petit comparativement. Vous voyez. La base est la même, c'est la hauteur de tissu. Ça c'est plus pour les petits projets en figurine, ça c'est plus pour les gros pulls et les projets un peu plus importants ou qui nécessitent plus de pelote avec du jacquard par exemple. Celui-ci est très beau aussi. Et celui-ci. Donc ça c'est des. Celui-ci c'est un unique parce que c'est des petits coupons de tissu que j'avais acheté dans l'idée de faire un modèle patchwork qui au final je trouvais très beau comme ça. Donc, je me suis dit qu'on le verrait peut-être un peu moins. Celui-ci aussi, c'était un coupon que j'avais acheté pour faire avec du patchwork. Mais je me suis dit qu'en fait, en le découpant, on verrait moins de motifs. Les motifs sont assez gros. Donc le faire comme ça ressortait pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pour les paniers. Après, il y a aussi des nouveautés en termes d'étiquettes que je vais faire rentrer. Spécialement pour le fil de la manche cousine. Voilà. Vous l'aurez compris. Des petites étiquettes. Alors, arrivées. Donc c'est arrivé différent celle-ci, en fait il faut le dévisser. Ouais, elles sont amovibles, hein. Vous avez juste à dévisser le rivet, il n'y a pas, c'est pas à clipser comme celle-ci par exemple. Si je mets comme ça, sur le blanc. Voilà. Donc celle-ci c'est arrivé à clipser dedans. Les autres, c'est juste à visser, mais elle reste amovible facilement. Donc ça, je ne vous montre pas tout non plus. Si ça vous tente, vous allez faire un petit tour sur le site. Celles-ci, je les aime beaucoup aussi. Elles sont un peu plus grosses, mais pour un pull, c'est sympa. Donc moi, j'ai mis le rivet à ce niveau-là, ce qui fait que quand vous la fermez, vous avez le papillon. Mais vous pouvez tout à fait dévisser le rivet et le mettre de l'autre côté pour laisser apparaître l'écriture. C'est Make Today Magical. Voilà, c'est comme vous préférez ça. Vous pouvez inverser le sens. Donc il y a deux coloris. Voilà. Et il y en a quelques-unes d'autres, mais je vous laisse la surprise, je vous laisse découvrir sur le site. Pareil, il y a des stoppers de mailles. Je sais que vous aimez bien ça. Donc j'en ai fait rentrer. Ah bah oui, il y a des anneaux, genre, je les ai là. Il y a un lot d'anneaux marqueurs. Donc il y a deux anneaux marqueurs et un progress keeper. Et vous avez aussi des contrants assortis dans ce modèle. Au niveau des stoppers de mailles, attention, ça va de faire du bruit, c'est dans les plastiques et je ne vais pas tout sortir. Donc on a des petites fraises trop choues.
J'ai des papillons. Ah, je voulais sortir ça, moi. Des petits papillons. Dans deux coloris. On a des petites plantes aussi. Je les ai trouvées trop mignonnes. Donc en fait, voilà, vous avez la plante et... J'ai cru entendre maman. Là, petit cactus. Et... Je suis désolée pour les bruits de plastique. Un petit tournesol. C'est pas trop mignon. Voilà. Donc, entre autres, il y a aussi des petits pans. Donc, de nouveau, je vous laisse découvrir ça sur le site. J'arrête de faire du bruit. J'ai remis des yaks aussi, puisque ça vous avait bien plu, les yaks, la dernière fois. Donc voilà. Et puis, il y a d'autres anneaux. Il y a aussi les soldes. J'ai remis, après mon retour de vacances, en ligne les soldes sur la boutique. Donc, il y a des promos sur certains anneaux marqueurs, sur des étiquettes, sur les pins. Voilà. Donc, si ça vous tente, allez faire un petit tour pour découvrir tout ça. Les soldes s'arrêtent le 1er août. Donc, il ne faut pas trop traîner. Voilà pour le tricot, la boutique. On va parler un petit peu de couture, puisque j'ai quand même cousu avant de partir en vacances. J'ai cousu pour moi et j'ai cousu pour mes filles. J'ai oublié une... J'ai une jupe qui n'est pas là, puisque elle est moulue. J'ai fait mes lessives. Donc, la première jupe que j'ai cousue, c'est pour moi. Donc, c'est une jupe noire. Donc, c'est la jupe Lisette que j'avais achetée. Donc, j'avais acheté le kit sur le site de Lise Taylor. Moi j'avais pris le tissu Wonderland et du coup on a toujours le patron. Donc j'ai recoupé une jupe dans un coupon de double gaz. J'avais ce coupon depuis belle lurette, je ne l'avais jamais cousu. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, enfin j'avais pas trop d'idée de patron. Et je me suis dit, bah tiens, une jupe noire, c'est quand même facile pour mettre après avec voilà, mes t-shirts qui pètent, quoi. Donc, j'ai fait la jupe Lisette, sauf que normalement, c'est une jupe qui arrive au-dessus du genou. Et moi, je l'ai allongée au maximum de ce que je pouvais par rapport à mon coupon, parce que j'avais, je sais plus, il faut combien pour cette jupe. C'est pas écrit sur le... 1m40. Moi, j'avais quasi 2m, je crois. Donc je l'ai allongé au maximum et pour pouvoir marcher, en fait, je l'ai évasé. Enfin, pas autant que ça, mais j'ai suivi la courbe du patron pour évaser par rapport à la longueur que j'avais. Voilà, j'ai remis un élastique. C'est une jupe qui est très très simple à coudre. En fait, on a deux pièces qu'on replie pour former la ceinture. On met un élastique à l'intérieur, on fait les coutures de côté. Avant de mettre l'élastique, les coutures de côté, après on forme la ceinture et après on fait l'ourlet. Voilà, donc j'ai fait l'ourlet comme c'était préconisé. Voilà, c'était très simple, ça m'a pas pris longtemps à coudre. C'est très agréable à porter, là quand il a fait chaud, j'avoue qu'elle était plutôt sympa à porter. Et j'en ai fait une deuxième pour ma mini. Alors, pour la mini, j'ai fait la plus petite taille. C'est du XS. J'ai juste raccourci l'élastique. En fait, j'ai mis l'élastique plus court que ce qui était prévu à la base. Et en fait, bah, du coup, ça fronce plus. Mais je me dis que si elle grossit, bah, j'ai juste à changer l'élastique. Mettre un élastique un peu plus long et elle pourra encore la mettre. Donc là, pour le coup, je l'ai faite très très longue. Elle lui arrive... au niveau des chevilles, en fait. Elle voulait une jupe longue. À la base, elle voulait la même que ce que je me suis faite et que j'ai fait à sa sœur, donc c'est-à-dire la Dolores, qui est celle-ci de la Maison Victor. Sauf que le coupon qu'elle avait choisi à la base, c'était pas celui-ci. C'était un coton un peu plus épais. Alors, un coton, parce que c'est de la viscose. Un coton, et en fait j'avais pas assez de métrage, parce que c'est une jupe qui est très très large, la jupe de Dolores, et il y a des poches, il faut couper la ceinture en plus, donc ça n'allait pas. Et au final j'ai ressorti ce coupon, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, mais en fait il est un peu transparent.
Donc je ne me voyais pas faire une robe pour moi ou une jupe. Pour la mini, ça passe parce que la jupe est très froncée. Donc du coup, bah, ça fait beaucoup de tissu au niveau de la taille. Donc on voit rien du tout. On voit rien du tout. C'est un tissu que j'avais acheté il y a des années sur Benitex. Qui ne doit plus exister. Donc c'est une viscose, mais c'est une viscose. C'est polyester, je pense. Je ne me rappelle plus. Il y avait un cheveu. Avec un motif de rayures et de fleurs. Très très beau. Donc pareil que ma version à moi, en fait j'ai pris sa version, enfin j'ai fait décalquer la taille la plus petite et j'ai allongé le maximum que je pouvais avec la longueur du tissu et de nouveau j'ai évasé en suivant la courbe du patron pour qu'elle puisse marcher quoi, parce qu'une jupe super longue mais droite, c'est pas possible, on marche pas avec. Voilà. Donc elle l'adore, elle la porte à chaque fois qu'elle est sèche. Hein. Elle n'a pas le temps de se pendre dans le placard, celle-ci. Dès qu'elle est portée, dès qu'elle est sèche, elle est portée. Voilà. Et j'ai cousu pour ma fille aînée, donc la jupe Dolores. Dessin technique. Donc la Maison Victor, c'est l'édition 4 juillet 2017. Je ne sais pas si on peut encore les acheter puisque ça a fermé maintenant la Maison Victor, ça n'existe plus. Donc est-ce qu'on peut toujours acheter les anciens numéros? Je ne sais pas. Cette jupe, je l'ai faite X fois. Hein. Donc je ne vous la montrerai pas parce qu'elle est en train de sécher, elle est mouillée. Mais elle a choisi de la faire dans un tissu un peu gaufré. Si j'y pense, je vous mettrai une photo. Un tissu noir avec des grosses fleurs blanches un peu gaufrées qui iront très très bien. De nouveau, elle voulait parce que là, de base la jupe elle va pas jusqu'en bas. Elle voulait vraiment que ça lui arrive au niveau des chevilles, donc j'ai allongé au maximum sachant qu'elle fait ma taille. Je suis 1,72 m, elle fait à peu près ma taille. Donc voilà, je me suis basée par rapport à ma jupe. J'ai juste réduit au niveau de la largeur. J'ai fait une taille en dessous. Maintenant, on est équivalente au niveau des tailles de vêtements et de la taille de. Et juste les chaussures, elle a des plus grands pieds que moi. Donc... Mais sinon, tout le reste, c'est à peu près équivalent. Donc je me suis basée sur. Elle a essayé une de mes jupes en fait, et on a regardé. J'ai fait la taille du dessous et j'ai réduit la ceinture. Mais j'ai pas assez réduit la ceinture parce que en fait, le tissu se détend. Donc elle a mis sa jupe et au bout d'une journée, la jupe descendait. En fait, c'est une jupe taille haute et en fait, elle descendait. Donc je fais OK, bon, j'ai repris la ceinture pour que ça lui aille mieux parce que là, ça faisait un peu tomber, quoi. Voilà. Si j'y pense, je vous mets une petite photo. Sinon, bah écoutez, je vous la montrerai la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, hein, ça aura été un épisode assez long quand même. Il est presque l'heure d'aller manger. Donc je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux quand vous regardez. J'aime bien voir quand vous regardez. Et n'oubliez pas de me taguer pour que je puisse voir. J'aime bien voir quand vous regardez les podcasts, ce que vous faites en même temps. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Et puis encore merci de m'avoir regardé pour ce long épisode. Et je vous dis à bientôt.